les buveurs de jus là, passez à gauche, on n'est pas dans ça, on n'est pas du tout dans ça, ok? Ça requiert de boire énormément d'eau. N'importe quelle femme sur la terre, femme noire, métisse, caramel, couleur chocolat, vous voulez un beau rouge à lèvres rouge, MAC Rubio. Ça va sur toutes les carnations. J'aime trop. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté ce rouge à lèvres, mais il est juste... Regardez le sourire, regardez. Quand je fais ça, ma fille me dit, super cringe, man. Voilà, on dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires. Vous m'avez demandé à de nombreuses reprises vraiment cette vidéo, donc je vous la fais aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Vanessa, je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne depuis maintenant de nombreuses années à retrouver la beauté de vos cheveux, à retrouver des cheveux sains, en bonne santé. Je partage sur ma chaîne des recettes capillaires, des tests de produits, des revues, aussi du lifestyle. Je vous partage aussi ma vie parce que je suis maman à côté, j'ai un travail aussi. Mais voilà, je vous partage un petit peu de tout ça. J'accompagne les personnes qui ont des difficultés à retrouver des cheveux sains et en bonne santé dans mes coachings. Donc n'hésitez pas à regarder en bas dans la barre d'infos, vous avez le lien, l'adresse pour pouvoir booker un coaching avec moi. Dans ces coachings-là, je vous accompagne pour qu'on mette en place soit un suivi en intensif, soit un coaching individuel. Là, le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez besoin de construire quelque chose auquel vous allez pouvoir vous tenir, qui soit relativement simple, facile à suivre pour pouvoir retrouver confiance dans vos cheveux. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a pas mal de produits dont je veux parler. Si jamais vous entendez le bip bip bip, c'est parce que je mets un minuteur. Je veux vraiment que la vidéo soit concise, que je sois précise, rapide, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais tes vidéos, elles sont longues, etc. Hey, je fais des vidéos courtes de 7 minutes, on t'entend jamais parler. » Tu parles jamais quand je fais des vidéos courtes de 7 minutes, t'es où? Mais je fais aussi des vidéos longues, des vidéos moyennes, donc il en faut pour tout le monde, ok? Je vais commencer dans un premier temps par les compléments alimentaires que j'ai testés, sur lesquels j'ai vu des résultats et que j'utilise au quotidien. On commence tout de suite par la marque Dieti Natura. Ce sont des compléments alimentaires que j'utilise maintenant depuis 7-8 ans, je pense, j'imagine, je ne sais même pas honnêtement. Ça fait un bon bout de temps que j'utilise ces compléments alimentaires-là, en tout cas avant que je parte de Bretagne. Celui que j'utilise et qui est vraiment efficace pour les cheveux, c'est Forti Plus. Alors, le nom a changé sur le site de Dieti Natura, le nom a changé. Ça s'appelle maintenant Complexe Cheveux, d'accord? Moi, j'avais fait un gros stock de Forti Plus, donc là, c'est mon dernier flacon. Quand je vais refaire mon stock, ben, ça s'appellera maintenant Complexe Cheveux. Mais sachez que le nom a changé si jamais vous cherchez le produit. Il contient de la cystine, de la méthionine, du fer, de la levure de bière, du zinc, du sélénium, de la vitamine B3, vitamine B6, vitamine B8, que des produits en fait qui vont fortifier vos cheveux, qui vont permettre de fortifier la kératine qui est contenue dans nos cheveux et de stimuler la pousse. J'ai vu de façon effective des résultats, je vais vous mettre la vidéo juste ici, d'accord, constatant la pousse de mes cheveux grâce à ce complément alimentaire là. Donc je le rachète à chaque fois parce qu'il est efficace pour moi. Maintenant, ce sont des cures que je fais. Je ne prends pas ça pendant toute l'année. Je vais le prendre pendant 3 mois, je vais arrêter. 3-4 mois, après je vais reprendre. L'avantage de Dieti Natura, c'est qu'ils font souvent des promotions de acheter le troisième et offert. Et en termes de prix, on est vraiment, vraiment abordable. On est à 5,50€ le petit flacon comme ça dans lequel il y a 60 gélules. Donc ça, c'est un flacon pour un mois. Dans la mesure où vous en prenez 2 par jour, c'est un peu pour, voilà, c'est un mois. Donc 5,50€, ça reste vraiment très, très abordable. Et je vous dis, ils ont souvent des promotions. Ce qui fait que là-bas, je prends du chitosan pour les moments où j'essaie de faire attention un petit peu à mon poids, à mon alimentation. Voilà, je ne cherche pas à maigrir. Je ne cherche pas à maigrir. Je ne veux pas maigrir. Mais je fais attention. Du coup, je prends des compléments pour aider à avoir le ventre un peu moins ballonné, etc. Je prends aussi de l'huile de bourrache qui est très, très bien pour la peau. Et je prends là-bas aussi ma levure de bière. Ça, c'est quelque chose que je prends vraiment en cure de 1 mois par-ci, par-là, quand j'ai les ongles qui sont fragilisés. Ensuite, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai testé pendant 3 mois Luxéol Pousse, Croissance et Fortification. Je vais vous mettre la photo à peu près ici quelque part, hein, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Luxéol, donc du coup, c'est une marque qui est française, qui est commercialisée ici en France. En ligne, c'est vendu dans les parcs pharmacie et parapharmacie, et aussi sur le site de chez Luxéol, bien évidemment. L'objectif de cette gamme là, c'est de retrouver des cheveux plus beaux, en meilleure santé, grâce à la prêle des champs, qui est un ingrédient qui va fortifier le cheveu et qui va favoriser la croissance du cheveu. En termes de tarifs,
pour Luxeol, on est entre 25 et 35 euros. En général, c'est la gamme, c'est la cure de 3 mois. Donc, en termes de tarifs, je trouve que ça va. Ça reste relativement abordable. Maintenant, à titre personnel, puisque je l'ai fait pendant 3 mois, je n'ai pas vu une croissance fantastique sur mes cheveux. Par contre, mes ongles, et je voulais monitorer sur Instagram, encore une fois, je vous dis d'aller me suivre sur Instagram parce que je partage tout ça au quotidien, genre vraiment tous les jours. Sur mes ongles, c'était indécent. Je me limais les ongles toutes les semaines parce que quand je mettais mon vernis, en fait, ça poussait vraiment extrêmement rapidement. Donc ça a été vraiment très très efficace pour la pousse et la fortification de mes ongles. En termes de cheveux, j'ai trouvé que ça poussait, mais pas de manière, on va dire, exponentielle en 3 mois. 3 mois, je pense que c'est pas suffisant pour moi. Il faut au moins 6 mois, voire 8 mois pour vraiment constater les effets. C'est pour ça que moi, je fais des cures 3 mois, j'arrête 3 mois, encore 3 mois. Donc sur l'année, je peux dire exactement si mes cheveux ont vraiment poussé, ont vraiment bénéficié du produit ou non. Pour Luxeol, si vous avez des problèmes d'ongles, si vous avez des problèmes de peau, parce que je trouvais que ma peau était aussi plus belle, j'ai fait beaucoup moins de boutons quand je prenais cette cure-là, n'hésitez surtout pas à regarder du côté de chez Luxeol. Encore une fois, c'est une marque française commercialisée en France, donc ça favorise un petit peu, on va dire, l'économie du pays, quoi. Ensuite, quand j'étais défrisée, j'ai pris pendant de nombreuses années, et là vraiment je vous parle sur des années, les compléments alimentaires de la marque phytospécifique qui s'appelle Cap Energy. Cap Energy est vendu en France, en pharmacie, en parapharmacie locale, hein, c'est pas forcément sur internet, mais voilà, vous pouvez aller sur le site de phytospécifique aussi, je pense que vous pouvez les trouver. Moi je les ai toujours achetés en pharmacie. Ils sont extrêmement bien, ils sont extrêmement bien pour fortifier. Surtout les cheveux qui sont faibles, qui sont fins, qui sont cassants, je trouve que c'est fantastique. Honnêtement, en termes de tarifs, attendez que je vous dise pas n'importe quoi, en termes de tarifs pour Cap Energy, on est à 30 euros pour 120 capsules. C'est-à-dire que ça fait 30 euros pour 2 mois. Moi, je trouve ça très abordable. Vous en prenez 2 par jour, c'est vraiment très effectif. Cap Energy est riche en vitamine B6 qui contribue à la synthèse de la cystéine, cette molécule-là qui constitue en fait la kératine de nos cheveux. Et un orage de gars qui s'est déclenché. Et il contient aussi d'autres nutriments qui vont... Attendez, faut que j'enlève les affaires. Attendez, attendez, il y a la tempête. Je vous disais, en fait, Cap Energy offre les nutriments nécessaires pour favoriser les cheveux qui sont faibles, les cheveux qui sont fins. Donc c'est vraiment un complément alimentaire que je recommande parce que je l'ai pris à titre personnel et parce que je trouvais que quand je le prenais, mes cheveux défrisés se cassaient beaucoup moins. On va passer maintenant à un complément alimentaire que j'ai acheté exclusivement sur internet. C'est du MSM. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que j'incorpore souvent de la poudre de MSM. Je vais vous remettre le nom ici parce que j'ai pas envie de l'écorcher dans mes masques capillaires. Donc pendant un bon bout de temps, j'ai pris des compléments alimentaires de MSM. D'accord ? C'est un composé qui contient du soufre. Le soufre est ultra important pour le cartilage, pour les os, pour la fortification de nos muscles. En fait, le MSM, il va aider à créer tout ce qui est liens chimiques qui sont nécessaires pour former et maintenir en fait les tissus dans notre organisme. Donc c'est un composé qu'on trouve déjà naturellement dans le corps humain, d'accord? Et on le trouve aussi en très petite quantité dans certains fruits, dans certains légumes, dans la nature. Donc c'est un complément alimentaire que je trouve ultra intéressant à prendre de l'intérieur parce qu'en fait ça va consolider, si vous voulez, vos cheveux. Maintenant, j'ai pris ça et j'ai pris la même marque, hein, c'est la marque Now, de la biotine en alternance, donc quand j'étais défrisée et en transition vers le naturel, même si j'ai fait un big shop, c'est-à-dire la phase où je suis passée au naturel, j'ai pris en fait le MSM en interne. On est sur un gros pot comme ça, vous le trouvez sur amazon.fr, enfin, je vais vous dire le tarif, à 26,40€ les 240 capsules, ou alors sur iHerb à 13,45€, vous trouvez, mais iHerb il y a aussi des frais de port, alors qu'Amazon, vous pouvez bénéficier d'Amazon Prime si vous êtes abonné, donc ça reste super intéressant en termes de tarif. Maintenant, le gros bémol avec le MSM et la biotine, c'est que ce sont des constituants qui requièrent énormément d'hydratation, c'est-à-dire que si vous n'hydratez pas suffisamment votre organisme de l'intérieur, ça requiert de boire de l'eau. Les buveurs de jus là, passez à gauche, on n'est pas dans ça, on n'est pas du tout dans ça, ok? Ça requiert de boire énormément d'eau pour éliminer, en fait, il faut que votre organisme élimine cet apport que vous lui donnez en soufre et en biotine.
Les personnes qui prennent de la biotine et qui ne boivent pas assez d'eau, et moi ça a été mon cas, j'ai un petit bobo ici, désolé, hein, ça fait un peu moins sexy, mais c'est pas grave. Du coup, les personnes qui prennent de la biotine de manière vraiment très régulière et qui ne boivent pas assez d'eau se rendent compte qu'elles font énormément de boutons, énormément d'acné. C'est parce qu'en fait, votre organisme n'élimine pas le supplément, l'incrémentation que vous lui faites en biotine ou en MSM. Donc quand je prends ça en cure, je sais que je vais boire énormément. Je bois des 2 litres, 3 litres par jour parce que j'ai besoin de faire beaucoup pipi pour pouvoir éliminer en fait et pour que ça ne reste pas dans mon organisme comment on appelle ça? En tournage quoi, tu vois, comment on appelle ça? Quelqu'un va me mettre ça dans les commentaires. Ensuite, prochain complément alimentaire, on va parler de la spiruline. Donc là, c'est pareil, c'est un complément alimentaire que j'ai pris. La spiruline que je prends se présente comme ceci. C'est de la poudre, d'accord? Donc ça, ça vient directement de chez moi. C'est ma mère qui me l'envoie, qui l'achète pour moi, qui me l'envoie. Ça se présente comme ça. Donc ce sont des petites granules, en fait, de poudre que je dilue soit dans une boisson. Il vaut mieux éviter de le diluer dans une boisson chaude parce que ça casse un petit peu les effets de la spiruline. Maintenant, moi, je préfère les mettre dans mon thé et boire. Je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment dégoûtant. En termes de goût, c'est pas bon du tout. Mais alors, les effets... En fait, la spiruline, c'est une micro-algue qui contient un fort apport en micronutriments. En particulier, toutes les vitamines du groupe B, donc B6, B3, etc., qui vont permettre de fortifier vos cheveux. Donc, c'est vraiment pas négligeable comme apport. La spiruline a des vertus antioxydantes qui sont extrêmement intéressantes pour le ralentissement du vieillissement, lutter contre la chute de cheveux, éviter l'apparition de pellicules, fortifier le cuir chevelu pour une meilleure croissance du cheveu, prévenir l'alopécie et la calvitie. Donc, c'est vraiment un complément alimentaire que Dieu nous a posé sur la terre et qui est non négligeable. Maintenant, la spiruline, je trouve que vendue ici en France, mais les gens ils pètent un câble. J'ai vu des pots de spiruline comme ça à 76 €, 80 €. C'est quoi? Ça là, ça pousse là-bas chez nous. Chez moi là-bas, il y a un lac où ça pousse. On trouve l'algue là-bas. Vous venez me vendre ça ici à 76 €? Parce qu'il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un produit qui reste cher en acquisition. Vous pouvez le trouver sous la forme de gélules aussi. Moi je préfère le prendre sous cette forme là parce que parfois quand je me fais des salades, je peux en mettre un petit peu dessus, comme quand je mets mes graines de lin concassées, etc. C'est vraiment très très bon pour l'intérieur et pour les cheveux. Ok, on va parler maintenant des compléments alimentaires que je n'ai pas testés et que je pourrais peut-être tester, d'accord? Mais je veux vous en parler parce que il y a tellement de gens qui en parlent, il y a tellement de revues dessus que si je n'en parle pas dans cette vidéo là, il y a des gens dans les commentaires qui vont... Je connais, c'est juste que je vais vous expliquer pourquoi pour l'instant je ne suis pas encore allée verser les alternatives là. Alors, en premier lieu, il y a Forcapil. Forcapil, extrêmement connue, marque française, commercialisée ici en pharmacie, en parapharmacie, contient des acides. Alors là, pour le coup, je vais un petit peu lire hein, parce que je ne me rappelle pas tout. Les autres, je connais parce que ben, c'est moi qui ai pris, etc. Ça fait des années. Mais là, je vais un petit peu lire. Donc, le Forcapil contient des acides aminés soufrés, cystine et méthionine, dont je vous parlais tout à l'heure, des vitamines et des minéraux comme le zinc, qui va aider à la synthèse normale des protéines donc, qui sont contenues dans nos cheveux, la vitamine B8 dont on parlait tout à l'heure, hein, pour les cheveux en bonne santé, la vitamine B9 qui va contribuer à la synthèse normale des acides aminés. Ce complément alimentaire là, je trouve qu'il est extrêmement populaire. Je n'ai pas testé Forcapil parce que je testais à l'époque Cap Energy et j'avais pas du tout envie d'aller vers quelque chose alors que je testais déjà quelque chose. Donc je suis quelqu'un de très fidèle. Quand je trouve un truc qui marche, clairement c'est dur de me faire aller vers autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien tester, découvrir, mais là ce sont des compléments que je prends en interne. Donc j'ai aussi des traitements que je prends par rapport à mon anémie, etc. Donc je ne vais pas faire n'importe quoi dans mon corps. Ce que je mets sur mes cheveux, c'est un petit peu différent, mais dans mon corps, j'essaie de faire attention. Donc j'ai pas testé Forcapil pour cette raison-là. Ensuite, on a la marque In Hair Care, extrêmement connue, dont on parle énormément. Alors là, ce sont 60 gélules, en tout cas dans leur peau, hein, dans le pot, c'est 60 gélules 100% clean, fabriquées à base d'extraits de plantes. Les ingrédients qui constituent In Hair Care stimulent la pousse du cheveu en nourrissant la racine, mais également le cheveu en activant la kératine. Moi, ce que j'ai aimé sur ça, c'est qu'il y avait des avant-après sur leur site qui m'ont vraiment donné envie d'aller tester. Je me disais... Ça fait vraiment ça, ça là. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester In Hair Care, à voir. Je vais terminer l'année 2021 avec ce que j'ai déjà. J'ai pas envie d'acheter juste pour acheter. Je ne fais plus ça.
c'est plus du tout dans mon rythme de vie, dans mon style de vie. Je vais terminer ce que j'ai et ensuite, à partir de 2022, j'essaierai différents compléments alimentaires. Dites-moi en bas dans les commentaires, quand j'aurai fini la vidéo, ce que vous voulez me voir tester, pour lesquels vous voulez que je vous fasse une revue vraiment de A à Z en mesurant mes cheveux, etc., etc. Comme ça, je vous ferai ça, d'accord? Ensuite, que serait une vidéo complément alimentaire si on ne parle pas de la Chile Beauty? Alors, pour moi, ça reste vraiment la marque qui est la plus controversée, c'est-à-dire que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur cette marque. La raison pour laquelle je ne suis pas allée la tester. Par contre, quand on regarde la composition de leurs gummies, alors ils disent qu'ils sont vegan sans colorant artificiel et fabriqués en France. On est à 60€ pour 3 mois, donc là déjà en termes de prix on monte un petit peu. Je deviens un peu métisse là. Attendez d'abord. En fait il a cessé de pleuvoir et le soleil est ressorti, donc du coup ça fait que ben, je devenais un peu clair un genre. Alors du coup je vous disais, 60€ pour 3 mois je trouve ça un petit peu excessif, mais ça va quand même, ça fait un mois à 20€. Donc les compléments, la Chile booste la pousse des cheveux, répare les cheveux de l'intérieur, améliore l'aspect global des cheveux, améliore l'élasticité. C'est une formule que je trouve qui est similaire en fait aux autres, car elle contient de la biotine, de la vitamine B6, du zinc, de l'acide folique, donc vitamine B9, de la vitamine D, B12, vitamine E. Donc vraiment honnêtement, avec tous les retours controversés, j'ai pas eu envie d'aller vers cette marque là pour la tester. Je crois que ce sont des gummies, voilà, ce sont des gummies, donc j'aime bien le concept des gummies parce que c'est à mâchouiller, c'est pas juste à avaler, donc j'aime bien l'idée du bonbon en fait. Mais je me suis dit, elle contient à peu près ce que les autres que j'utilise contiennent. Donc du coup, bon, je vois pas trop la plus-value pour moi de la tester pour l'instant, d'accord? On est en 2021, ça changera peut-être en 2022. Attention, j'ai pas dit que je vais pas le faire. Mais pour l'instant, j'étais pas trop intéressée parce qu'il y a trop de controverses, il y a trop de très bons retours et trop de très mauvais retours. Donc du coup, pour l'instant, je me tâte encore. Ensuite, on va passer à la marque Airfinity. Alors je crois que c'est... Je me rappelle plus c'est Brooke Beauty ou Brooke, je vais vous mettre exactement le nom parce que Airfinity c'est la gamme, mais la marque c'est Brooke quelque chose ou Break quelque chose, je vais vous mettre ça exactement ici. Donc le complexe exclusif Kapil Sada fournit aux cheveux des blocs de construction d'origine naturelle à travers les acides aminés grâce au renforcement du collagène hydrolysé. Donc ça c'est pas mal je trouve pour les cheveux. Il contient aussi du MSM pour la vitalité et la prêle nourrissante avec de la silice qui contient du soufre. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait du côté de chez Luxeol et ce qu'on a du côté de chez Forti Plus, hein, complexe cheveux. Donc je me dis pourquoi pas. Là en termes de tarif par contre on est à 30€ pour un mois de traitement. Donc pour moi c'est la cure qui est la plus chère. Ce serait vraiment le prix qui me mettrait vraiment de côté parce que je trouve ça extrêmement cher en fait. 30€ pour un mois, ça veut dire que si je veux faire une cure de 3 mois, j'en ai pour 90€. Ça me fait combien de produits complexes cheveux dont je sais qu'ils fonctionnent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un risque pour l'instant, j'ai mis ça de côté. Et on termine avec Madame la Présidente. Donc marque dont j'ai beaucoup entendu parler, vous m'avez beaucoup demandé si j'ai testé la marque. Je n'ai pas encore testé la marque Madame la Présidente. Pareil que la Chile, on est sur le concept des gummies, donc des espèces de petits bonbons un peu mous comme les petits oursons, là, vous savez, de Haribo à mâchouiller. Donc les gummies Air Boost sont des compléments alimentaires sous forme de gomme à base de vitamines pour les cheveux. C'est un complexe qui est riche en biotine, zinc, fer et roquette. La formule exclusive, elle est végane, donc pour les personnes qui sont véganes, c'est vraiment très bien de ce côté-là. Made in France et sans colorant artificiel. C'est un concentré de bienfaits pour faire pousser les cheveux, leur donner de la vitalité et renforcer la fibre capillaire. Alors, en termes de tarif, on est à 3 mois pour 74€. Donc on est juste en dessous de Airfinity en termes de tarif. Mais je crois que Madame la Présidente a plus souvent des promos où ils vous font les 3 mois pour 65€, des choses comme ça. Donc ça reste quand même relativement abordable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me bloquerait un petit peu moins. Comme je vous ai dit pour la composition, on retrouve à peu près la même chose dans tous ces compléments alimentaires-là. L'objectif des compléments alimentaires, c'est de fortifier nos cheveux de l'intérieur. Donc, moi, je prends les compléments alimentaires en cure parce que plus on prend de l'âge et plus, bien évidemment, vous savez que notre corps a plus de mal, en fait, à synthétiser, etc., à fabriquer les composants, etc., etc. Donc, ça, c'est normal. Moi, je prends les compléments alimentaires depuis très longtemps parce que je sais que j'ai des problèmes d'anémie et que, du coup, ça m'aide aussi pour mon corps à l'intérieur. Ça va aussi se répercuter sur mes cheveux. Donc, c'est la raison pour laquelle je table un petit peu tout le temps dans les mêmes choses, c'est-à-dire MSM, biotine, MSM, biotine, zinc, fer, acide folique, etc. Parce que ce sont des choses qui vont me fortifier. Je ne vous dis pas que vous devez le faire, je vous dis ce que moi je fais, je vous dis ce que j'ai fait et ce que je compte faire. De ceux-là que je vous ai cités, honnêtement, je pense que si je dois commencer par quelque chose, je commencerai peut-être par Madame la Présidente ou
in her care, je pense. Parce que les avant, après, là, m'ont vraiment... tu vois? Donc, je pense que ce serait peut-être par cela que je commencerai l'année prochaine. Là, ma prochaine cure va commencer en octobre. Ma prochaine cure, c'est-à-dire je termine hein, les ceux que j'ai ici. Ce sera MSM, complexe cheveux, donc Forti Plus, et l'huile de bourrache. Ce sera ça que je vais prendre principalement octobre, novembre, décembre. Donc après, je vais m'arrêter en janvier, février, et je vais recommencer à partir du mois de mars. Donc ça correspond à peu près au changement de saison. Maintenant, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que je fais et qui fonctionne pour moi. Comme je vous le dis à chaque fois, on est tous différents, toutes différentes. Ce qui fonctionne pour les uns, fonctionnera pas forcément pour les autres, et vice versa. Donc ne vous comparez pas forcément à un tel ou un tel ou un tel. Faites votre test, prenez les informations et regardez aussi votre santé, votre médecin. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas le docteur de quelqu'un. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à me donner de la force, à me mettre un petit commentaire. Dites-moi quels sont vos compléments alimentaires à vous, si vous en avez testé. Au vu de ma revue, quels sont ceux que vous aimeriez tester? Dites-le-moi en bas dans les commentaires, s'il vous plaît. Votre partage, c'est ma force. Sincèrement, merci infiniment à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.